Bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe Auteur, Blogueur et Lecteur Même Passion pour ce nouveau live en présence ce soir donc d'un auteur, Pierre Grand-Dufay. Donc Pierre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc merci à vous d'avoir accepté donc l'invitation du groupe Auteur, Blogueur et Lecteur Même Passion pour venir partager avec nous donc votre univers livresque. Vous allez avoir l'occasion ce soir de nous présenter donc votre second roman, Les vagues ne meurent jamais. Voilà, donc en tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà, donc vous connaissez le principe, hein, les personnes vont poser des questions en commentaire sur votre univers livraille, sur vos romans, ceux qui vous connaissent, ceux qui ne vous connaissent pas. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui est Pierre Grand-Dufay? Je m'appelle Pierre Grand-Dufay, je suis un auteur de romans d'anticipation. L'écriture, c'est ma passion. Dans ma vie professionnelle, je suis chef d'entreprise, je dirige un fonds d'investissement. Je me dirais que c'est loin de l'écriture tout ça. Bon, on verra que ce n'est pas si loin que ça après. Et donc j'écris des romans d'anticipation, c'est-à-dire des romans qui se passent dans le futur et qui mêlent des histoires de sentiments, d'amour, des histoires de relations humaines avec de la nouvelle technologie. Donc dans mes romans d'anticipation, il y a la technologie telle qu'elle va évoluer dans les années futures, telle que nous allons la retrouver et avec laquelle nous allons vivre. Donc, ce n'est pas de la science-fiction du tout. C'est-à-dire que ce que je décris sont des technologies qui sont en passe d'arriver ou qui sont déjà arrivées pour certaines d'entre elles. Mais tout ça dans un contexte de roman, de vrai roman, quoi. D'accord. Alors, ce roman-là, Les vagues ne meurent jamais, c'est un roman qui se passe aux États-Unis en 2030. Et je ne sais pas trop ce que je peux en dire, mais c'est l'histoire d'un père qui est veuf, qui est chef d'entreprise, qui vit à New York dans une tour, qui a une immense entreprise. Et un fils qui vit en Californie sur la plage, qui passe son temps à faire du surf, qui rejette un peu la matérialité, l'argent, le pouvoir, l'entreprise. Et puis il se trouve que par un hasard de l'histoire, il est obligé de venir à New York et prendre la tête de l'entreprise de son père. Son père qui a disparu, mais finalement qui n'a pas vraiment disparu, et puis qui réapparaît sous une forme différentes, et puis le roman commence là. Voilà, donc c'est une histoire d'amour, d'amitié, c'est une histoire de relation père-fils, une histoire de relation entre amis, une histoire de relations humaines au milieu d'un contexte très technologique et qui délivre d'une façon très, très simple et très didactique et très romancée des innovations technologiques qu'on appelle des innovations de rupture, c'est-à-dire des innovations qui sont en train d'arriver et qui vont changer notre façon de vivre. D'accord, merci à vous donc Pierre pour cette présentation. Donc je salue Gilles qui est là, il y a Estelle, Valérie, Sonia, voilà, donc les personnes arrivent au fur et à mesure. Donc merci à vous pour cette présentation. Il y a une première question qui demande comment vous est venue l'envie d'écrire, comment vous lancez dans l'écriture? En fait, c'est une question simple, mais c'est la seule question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre parce que je ne sais pas exactement comment c'est venu. Ce que je sais, c'est que j'écris beaucoup d'articles sur les nouvelles technologies et on m'a commandé un article assez long sur l'intelligence artificielle. Donc j'ai commencé à écrire cet article et puis au bout d'un moment je me suis dit c'est quand même assez ennuyeux ce que j'écris parce que j'écris des choses techniques et il faut les incarner pour qu'on les comprenne mieux. Et donc j'ai incarné mon intelligence artificielle et puis de fil en aiguille c'est devenu une histoire. Et Le Monde de Tim, mon premier roman, c'est la rencontre entre une intelligence artificielle et un enfant en 2047. C'est un prix qui a été sélectionné pour le prix Jules Verne. Donc, j'ai fait partie de la sélection des romans pour le prix Jules Verne parce qu'il délivre une prospective qui est extrêmement juste sur l'intelligence artificielle et qui explique ce qu'elle va devenir et comment on va l'utiliser dans nos vies. Et je crois que mon message, quelle est ma motivation, mon moteur pour écrire, en dehors du fait que c'est un exutoire et un exercice que je trouve extrêmement intéressant, c'est de délivrer des messages. Et délivrer des messages sur ce que va être l'évolution technologique et comment est-ce qu'on doit l'appréhender pour vivre au mieux avec elle. D'accord. Une question également en message privé qui m'a été envoyé, qui demande, est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle prendra une place dans notre monde? Elle l'a déjà prise, je partiellement, mais... Non, mais c'est une question intéressante parce qu'en réalité, on se trompe sur l'intelligence artificielle. On fait une confusion dramatique. En fait, ça paraît contre-intuitif, mais dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence artificielle, c'est de l'informatique augmentée, sans intelligence, sans capacité de raisonner. Et vous me direz, pourquoi est-ce qu'on l'a appelée intelligence artificielle? En fait, c'est parce qu'on a fait une erreur de traduction.
En 1956, quand le terme artificial intelligence a été évoqué pour la première fois dans une conférence aux États-Unis, les Français l'ont traduit par intelligence artificielle. Mais en réalité, ça ne veut pas dire ça. Si on devait traduire intelligence dans ce contexte-là par intelligence, ça voudrait dire que la CIA, la Central Intelligence Agency américaine, serait l'agence centrale de l'intelligence. Ça serait, c'est pas ça, c'est l'agence centrale du renseignement. Et artificial intelligence, ça veut dire traitement intelligent du renseignement. Ça ne veut pas dire intelligence artificielle. Et donc l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Elle n'a aucune chance de la remplacer. Et pour faire vite, je dirais, parce qu'elle ne peut pas contextualiser, elle ne peut pas raisonner. C'est-à-dire que si vous lui montrez une image d'un chat et vous lui demandez ce que c'est, elle vous dira c'est un chat, parce qu'elle a 500 000 photos de chats dans sa base de données. Mais si vous lui demandez ce que c'est qu'un chat, elle ne saura pas vous répondre, elle ne sait pas. Elle ne peut pas raisonner d'une façon autonome, parce que l'intelligence humaine est faite de matière biologique, l'intelligence artificielle de matière mécanique et informatique, et notre intelligence humaine, elle est faite essentiellement à base de l'émotion. C'est l'émotion qui la conduit. Et l'émotion, c'est une donnée qui n'est pas duplicable, qui n'est pas copiable en informatique. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon roman Les vagues ne meurent jamais, il y a un robot qui est doté d'intelligence artificielle, mais version de l'avenir, et il y a des longues conversations entre le robot et un des personnages, et le personnage lui dit « Mais tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas de sensation. » Et le robot lui dit « Oui, j'ai des sensations. Regarde, si tu me brûles, je crie, c'est chaud. » On lui dit « Oui, mais c'est ta peau électronique qui a été conditionnée pour ça, etc. etc. » Et donc j'explique précisément, sous une forme assez drôle et romancée, ce qu'elle sera. Mais pour répondre à la question, l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique augmentée. Donc ça peut faire des choses formidables, ça peut détecter un cancer, une tumeur, mieux que ne le ferait une équipe de radiologues, ça peut détecter une anomalie dans une machine, ça peut conduire tout seul un avion, ça peut faire des choses comme ça, mais ça ne peut en aucun cas, et ça ne pourra jamais remplacer l'intelligence humaine. D'accord, merci beaucoup. Et justement, est-ce que vous avez fait énormément de recherches pour écrire ce roman ? Ah mais j'ai fait des centaines d'heures de recherche, je fais d'ailleurs beaucoup de conférences. Je suis régulièrement invité dans des conférences pour parler de ce sujet. La dernière conférence que j'ai faite, c'était le Congrès national de la chirurgie, où je suis intervenu sur l'impact de l'intelligence artificielle et de la médecine prédictive sur le métier de la chirurgie. Je fais des conférences dans tous les domaines. Je lis énormément. Et puis, je suis très abreuvé par mon métier, puisque je reçois énormément de sociétés à financer qui sont dans ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle mes romans sont considérés comme d'un point de vue technologique extrêmement fiables, parce que j'essaie d'écrire des choses qui sont tangibles, qui sont fiables. Donc je fais énormément de recherches, je suis obligé de le faire, d'ailleurs je le fais avec plaisir, mais je passe énormément de temps. Et puis j'écris régulièrement dans la Provence des articles sur les nouvelles technologies. Pour écrire ces articles, il faut aussi que je me documente, donc la partie documentation est énorme. D'accord, merci beaucoup. Il y a également une question qui demande: quel est vraiment le style de roman que vous écrivez? Est-ce que c'est de la science-fiction, du thriller? Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de romance. Comment pourrait-on le qualifier? C'est pas de la science-fiction. Ce sont pas des thrillers au sens où on l'entend. Ce sont pas des dystopies. C'est-à-dire que c'est pas triste. Ce sont des romans d'amour, de relations humaines, dans un contexte où il y a beaucoup de technologies. Voilà. Mais j'allais dire que j'ai reçu une trentaine de... Sur Instagram, il y a une trentaine d'Instagrammeuses qui m'ont fait le grand bonheur de commenter mon livre. Et les 30 commentaires sont différents. Alors, à mon grand bonheur, les commentaires sont très, très positifs. Mais chacun décrit différemment. Il y en a qui disent que c'est un roman qui nous permet de découvrir l'avenir et de toutes les technologies qui vont arriver. D'autres qui nous disent que c'est un roman qui traite vraiment de la relation père-fils. D'autres qui nous disent que c'est vraiment un roman d'amour. D'autres qui nous disent que c'est vraiment un roman... d'intrigue, c'est un roman sur l'entreprise, enfin il y a différentes voies d'accès à ce... Mais je dirais que le sujet principal, c'est l'amour dans mes romans, voilà. Donc c'est le plus important. Et puis l'anticipation, l'avenir, et moi j'ai un parti pris, c'est que de toutes les façons, quelles que soient les technologies qui sont présentes, il y a une façon efficace et positive de les utiliser. Et mon parti pris, c'est de montrer cette technologie... cette façon positive de les utiliser. Et dans le roman Les vagues ne meurent jamais, je ne vais pas vous dévoiler laquelle, mais il y a une technologie disruptive extrêmement nouvelle qui permet aux gens qui disparaissent, qui décèdent, de rester en partie avec nous. Voilà. Et d'ailleurs, ce roman est primé pour le prix national de l'intelligence artificielle, donc il est dans le jury qui aura lieu en mai. Pour ces raisons-là. Mais c'est très, très romancé. C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer la technologie, ce sont des personnages qui sont habités par ces technologies-là qui vivent. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Et justement, combien de temps il vous a pris pour écrire ce roman? 1000 heures. Eh oui, donc c'est du boulot, hein? Et 1000 heures. 1000 Et heures. donc, sans compter la partie recherche. Eh oui, parce que Mais en justement, il y fait, avait une question. l'écriture, c'est surtout de la réécriture. Mais j'ai appris ça aussi. C'est qu'une fois qu'un chapitre est écrit, vous le reprenez, vous le réécrivez, vous l'écourtez, vous le rallongez, vous le modifiez, vous y revenez sans cesse. Et même Ouais, c'est pour aujourd'hui, ça. si je pouvais modifier quelques passages, je le ferais volontiers. Donc, c'est jamais fini. Et justement, je rebondis par rapport à ce que vous dites là, par rapport aux 1000 heures. Est-ce que ces 1000 heures sont accompagnées de rituels? Est-ce que Non. vous avez des rituels bien précis d'écriture? Non, j'en ai aucun. J'essaie d'écrire. J'écris jamais pendant mes périodes de travail au bureau, où ça c'est très compartimenté. La semaine, c'est pour. J'écris pas la semaine. Hein. Je travaille beaucoup, donc j'ai pas le temps. J'écris les week-ends et les vacances. Et j'écris n'importe où. Même si j'ai qu'une demi-heure, je peux écrire. Je peux écrire quand il y a du bruit autour de moi. Je peux écrire dans un contexte très différent. Il n'y a pas de rituel du tout. Mais en revanche, j'essaye de m'astreindre d'écrire toutes les semaines. Il n'y a pas de semaine qui passe sans que j'écrive. Je ne laisse pas passer une semaine sans écrire. Et qu'est-ce qui peut vous inspirer dans la vie? Ah ben, je crois que tout m'inspire. Je crois que ça, c'est une très bonne question, en fait, parce que souvent, on me demande, mais d'où vient cette imagination? Et je dis, ben, je regarde, j'imagine. D'abord, je me nourris beaucoup des situations présentes, des scènes de la vie qu'on peut. Et j'ai appris à les regarder, d'ailleurs. J'ai appris à regarder des scènes très simples et à les apprécier. Une scène dans la rue entre deux personnes qui parlent, dans un commerce, dans un restaurant, dans un train. J'ai appris à regarder tout ça. Je m'inspire beaucoup de l'anticipation des technologies. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, dans 3 ans, on pourra faire une opération chirurgicale à distance en pilotant un robot. Donc je rentre dans ces explications-là et puis j'essaie d'imaginer comment ça se passe, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Là, je suis très impressionné par la technologie du métaverse, donc cette façon de mettre un casque de réalité virtuelle et puis d'aller se promener partout dans le monde avec son avatar. Donc je suis en train de faire des recherches là-dessus. Et je suis convaincu qu'il y a des solutions assez simples aux problèmes essentiels de notre humanité, de notre monde, et que ces solutions, on peut les trouver aussi beaucoup avec la technologie. Donc je suis très inspiré par ça et je cherche en permanence des voies, des solutions, des idées, et puis ces idées, elles construisent mes histoires. D'accord, ok, merci. Alors, je tiens donc à saluer tous les lecteurs et lectrices qui nous rejoignent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Pierre Grandduffet, hein, qui est là ce soir donc, pour nous parler de son roman Les vagues ne meurent jamais aux éditions, pardon, Cliquin Bonneton, hein, c'est bien ça. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette maison d'édition pour ceux qui ne la connaissent pas? Oh ben, c'est une maison d'édition qui est assez ancienne, qui est installée maintenant à Clermont-Ferrand et qui édite, je crois, environ 500 livres par an et qui est très spécialisée dans les livres de présentation des régions. Donc, il n'y avait pas de rayon roman avant quelques années, puis maintenant, ils ont un rayon roman. Donc, dans le domaine du roman, c'est une maison qui n'est pas très ancienne, mais en revanche, c'est une maison ancienne qui est très réputée pour ses livres touristiques. D'accord, merci. Il y a également une question, savoir est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous n'écrirez jamais? Ça, alors, je ne m'attendais pas à une question comme ça. Je crois qu'il y a des sujets qui ne m'intéressent pas. Par exemple, la violence. Je crois que je n'ai pas envie de rentrer dans un roman triste ou violent. Je vois les gens qui ont le courage d'écrire sur des drames de la vie, qui sont l'inceste, qui sont ben, toutes ces choses-là. Je crois que je ne rentrerai jamais là-dedans. Et je suis convaincu que le sens de la vie, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'altruisme, et je crois que c'est plutôt vers cette voie-là que je veux aller. Donc dès qu'un roman est trop noir, il m'intéresse plus. Voilà, je crois que il y a un cercle vertueux qui consiste à aller vers ce qui nous attire et devenir meilleur. Et donc oui, c'est une très bonne question. Hein. Je crois que d'abord, j'écrirai pas sur des sujets que je connais pas vraiment bien. Je crois que je connais très bien l'intelligence artificielle. Je connais très bien ces technologies-là. Je connais assez bien l'entreprise. Je connais bien ce monde-là. Donc j'arrive à construire ces histoires-là. Et elles sont fiables et tangibles pour ça. Donc j'écrirai pas sur des sujets que je connais pas. Et puis j'écrirai pas de choses noires ou tristes. Voilà, ça je saurais pas le faire et je suis pas attiré par ça. D'accord, merci. Là, on va poser une question sur la page blanche. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la page blanche? Nous demande une
Patricia. Alors, pas du tout. Ça vous est Mais jamais alors, arrivé pas du de... tout. Mais alors, vraiment, ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'au contraire, je suis toujours happé, attiré par la suite de l'histoire. Et mon défaut, je dirais, c'est d'aller trop vite, parce que j'ai. Et trop vite, et d'en mettre trop, trop d'idées, trop de concepts, etc. Il y a un critique littéraire que j'aime beaucoup qui m'a dit ce livre, il est passionnant. Et donc, il m'a écrit un mot formidable en disant, je l'ai lu deux fois. Parce qu'il y a tellement de choses dedans que j'ai eu le sentiment d'en rater beaucoup, parce qu'il y a plusieurs façons de lire, et donc je l'ai lu deux fois. Donc, non, j'ai pas de syndrome de la page blanche. En revanche, très souvent, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, et il m'est arrivé d'effacer complètement. Deux fois. Effacer, effacer, hop, les pages, elles partent, et il faut recommencer. Et justement, est-ce que vous faites appel à des bêta lecteurs ou des alphas? Oui, j'ai une personne qui est un correcteur, on va dire, qui relit mes textes et qui me dit c'est trop long. Il me dit je pense que c'est trop long, je pense que c'est trop court, je pense que c'est pas assez argumenté, je pense que si, je pense que ça, et je modifie en fonction de ça. Voilà. Et après, j'ai des amis qui me font la gentillesse de lire mon roman en avant-première et me donner leur avis. Mais j'allais dire le problème, c'est que c'est un peu tard, quoi. C'est que et puis peut-être qu'ils me disent pas la vérité parce qu'ils sont toujours, ils adorent toujours ce que je fais. Alors, à mon avis, ils me disent pas. Mais en tout cas, ils Justement. aiment beaucoup. Et d'ailleurs, là, des Instagrammeuses qui sont. D'ailleurs, j'ai découvert ce monde des blogueuses, des influenceuses littéraires, qui sont des jeunes femmes. Je dis jeunes femmes parce que c'est 99% absolument adorables, qui lisent rapidement, qui font leurs commentaires, qui sont très, très dynamiques sur leur page, sur leur réseau, etc. Donc, ça, c'est un monde qui est très agréable, quoi. Et puis, c'est très réconfortant de recevoir des messages de gens qui disent. J'ai beaucoup aimé, je l'ai offert à mes petits-enfants pour Noël, je l'ai acheté à mon mari, grâce à vous, j'ai plus peur de l'avenir, j'ai enfin compris ce qu'était l'intelligence artificielle, j'ai compris ce qu'était la 5G, la 3D, le métaverse, enfin, toutes ces choses-là, et parce que j'essaye d'être très didactique, très vulgarisateur, et donc de les expliquer très simplement. Et ma façon à moi de les expliquer le plus simplement, c'est de les incarner. Et par exemple, un robot doté d'intelligence artificielle, dans mon histoire, c'est un personnage, et un personnage central, et un personnage qui répond aux questions qu'on lui pose. Donc, quelquefois, on se moque de lui en disant, mais tu n'es qu'un robot. Et il répond, et il explique ses impressions, ses sentiments, ses explications. Et de là, on peut déduire ce que l'intelligence artificielle et la technique des algorithmes et de l'évolution de l'informatique pourra apporter à nos sociétés. Voilà. D'accord. Et justement, donc vous disiez, voilà, il y a de l'intelligence artificielle, il y a aussi un petit peu de romance. À quel genre de public il est destiné, votre roman? Les vagues ne À moi, meurent il jamais. est grand Voilà. public, grand public, tout public, de 14 ans à 94 ans. Voilà. Ah ben Donc, j'ai voilà. des lecteurs très jeunes qui me disent, j'ai appris beaucoup ce qu'était cette technologie, je l'ai proposé à ma classe et on l'a lu en classe et le professeur nous a fait l'explication de l'intelligence artificielle avec votre roman. Donc, ça va. Et puis, j'ai beaucoup de personnes un peu âgées ou qui me disent, je l'ai offert à mes petits-enfants, comme je vous disais, ou j'ai apprécié. Mais le gros de mes lecteurs, c'est des lecteurs, enfin c'est plutôt des lectrices, parce que j'ai l'impression que les lecteurs sont des lectrices, entre 25 et 50 ans. Quoi, voilà. Et là, j'ai des messages souvent de gens qui me disent, je l'ai lu, d'ailleurs sur Amazon, si vous y allez, vous verrez, ou sur Fnac, des gens qui disent, je l'ai lu dans la nuit, quoi. Je l'ai lu en une fois. Voilà. Et puis beaucoup de gens qui disent, je me suis retrouvé dans l'histoire, je me suis retrouvé dans cette jeune fille qui souffre tant parce qu'elle a été quittée, je me suis retrouvé dans ce garçon qui était perdu au moment de son début de carrière professionnelle, je me suis retrouvé dans ma relation avec ma mère, avec mon père, etc. etc. parce que j'essaye de raconter la vie, quoi. Voilà. Ouais. Et justement, puisque vous parlez que souvent les lecteurs se retrouvent dans vos personnages, est-ce que vous faites des fiches personnages ou est-ce que vous avez une part d'improvisation, tout comme la trame? Ben non, j'ai des personnages en tête, mais je dois dire que mes personnages sont tous inspirés de personnages réels. C'est-à-dire que dans D'accord. le monde de Tim, par exemple, le Tim, c'est un enfant qui est le fils d'un légionnaire et d'une jeune femme de ménage en Guyane, qui est la fille d'une prostituée. Et ce sont des personnages que j'ai connus. D'accord. Pas Tim, parce que Tim n'existe pas, enfin, c'est moi qui ai créé, mais les parents, je les ai connus et ces gens-là m'ont fasciné. Et donc, bon, mes personnages sont inspirés de cela. Et dans le deuxième roman, Les vagues ne meurent jamais, aussi, je suis très inspiré par des personnages réels. D'accord, ok. Donc pas de fiche personnage, tel personnage a les yeux bleus, il mesure 1m60. Non, c'est dans ma tête, ça, bien sûr. C'est dans votre Mais tête. je vous avoue qu'en cours de roman, je peux lui changer la couleur des yeux. Ah. Ou, voilà. Les particularités peut-être de l'intelligence artificielle.
Voilà. Et pour le robot, on peut lui changer sa taille, la couleur des cheveux, la forme des mains, la couleur des yeux ou autre chose de plus intime aussi. On peut changer ce qu'on veut. Et justement, au niveau de la trame, est-ce que quand vous commencez à écrire, vous savez où vous allez, combien de pages à peu près ça fait le roman, ou est-ce que vous écrivez et vous bifurquez au fur et à mesure? En fait, je sais où je vais, je connais le fil de l'histoire, mais à l'intérieur de ce fil, tout change en permanence. Mais Ça vous arrive? je sais où je veux aller à peu près. Mais il m'est arrivé de changer dans le nouveau roman que je suis en train d'écrire là, j'ai déjà changé beaucoup de choses. Voilà, non, je peux changer. C'est ça la magie de l'écriture, en fait, ce pouvoir incroyable qui permet de s'évader. C'est un peu même chose quand on lit. Quand on lit un bon roman, c'est la différence avec les images, c'est que ces images-là, on se les crée soi-même. Ce sont les mots, la perception qu'on a des mots qui créent les images. Donc on part où on veut avec ces images-là. Et quand on écrit, c'est pareil. Et écrire, ça permet de s'évader et ça permet de dire beaucoup de choses, en fait. D'accord. Et justement, avant de vous poser des questions sur la lecture, est-ce que vous pourriez nous en lire un extrait, justement? Ah, alors, au hasard? Oui, bon, comme vous voulez. Au hasard? Alors, celui que j'aimerais vous lire, à mon avis, je ne vais pas le retrouver. Je ne vais pas le retrouver. Donc, j'ouvre au hasard. Allez, Je hop. vous laisse trouver. En attendant, je rappelle donc pour les personnes qui nous rejoignent, donc vous êtes l'auteur donc Les vagues ne meurent jamais aux éditions Christine Bonneton, hein, c'est bien ça. Il a été édité, votre roman, si je me souviens bien, c'était au mois de décembre. Novembre. Novembre, pardon. Donc en novembre 2021. Donc voilà, qu'on peut retrouver, vous l'avez dit tout à l'heure, en librairie, à la FNAC, un petit peu partout. Ouais. Voilà. Et Bon. c'est votre second roman. Le C'est mon premier étant. second roman, absolument. D'accord. Bon, alors, de toute façon, je ne retrouverai pas ce passage-là qui est pour moi le plus beau, qui est une discussion entre un garçon et une jeune fille. Mais c'est pas grave. Allez, j'ouvre au hasard. Hop, voilà. Alors, New York somnole encore. Le vacarme des sirènes ne parvient pas jusqu'à la chambre insonorisée de Robert. Pourtant, il a mal dormi, trop excité par l'imminence des essais. Tout ce silence finit par être angoissant. Dans un demi-sommeil agité d'inquiétude, il arrivait de Madeleine, un lieu sans vie apparente, sombre et brumeux. Il ne sait pas ce qu'il fait là, dans ce no man's land, et remarque effaré que son corps est prisonnier de sable mouvant qui lentement l'engloutissent. Elle apparaît, lumineuse, comme toujours, ne semble pas s'affoler et s'allonge à même le sol, instable pour lui tendre une main. Elle peine à le sortir de là. Il lui semble qu'une partie de son corps se détache et sombre dans cette masse mouvante qui le dévore. Elle ne lâche pas prise, serre les dents, insiste et parvient à le sortir de ce trou mortel. Robert reste un bon moment, le ventre noué, la lumière du jour le blesse. Il avale comme chaque matin un jus de citron chaud mélangé à du gingembre et du curcuma, se douche et reprend lentement pied dans la réalité. Nous y sommes, répète-t-il sans cesse, en s'habillant, en vérifiant pour la 20e fois que le contenu de son sac dans l'ascenseur, en passant devant le concierge qu'il salue d'une belle journée, non? Resté sans réponse. En s'asseyant sur la banquette arrière de sa limousine électrique. Quand son chauffeur lui dit bonjour, il répond: Nous y sommes, Ray, nous y sommes. Il a tellement attendu ce jour, tellement supporté une pression grandissante que sa tension monte dangereusement. Impossible de se calmer. Roxane n'arrête pas de le mettre en garde. Monsieur, votre pression. Bon, voilà. Oui, voilà. J'ai fini. Voilà un Bah petit écoutez. passage comme ça. Il y a tellement de passages. En fait, il y a des personnages très différents dans ce livre, et puis il y a un robot qui est donc un robot tel qu'on est en train. Alors, ce livre a été terminé, publié en novembre, mais là, ils viennent de présenter un robot qui est au salon un salon américain, un robot qui est doté d'intelligence artificielle et d'une peau électronique avec sensibilité. D'accord. Et Ah oui. donc, moi, j'ai dans mon roman, il y a ce type de robot, donc une jeune femme qui est un robot, qui a un algorithme d'intelligence artificielle qui a été programmé d'une telle façon, parce que c'est la programmation des algorithmes qui fait le fonctionnement des robots après, et qui a une peau électronique, avec sensibilité, donc une peau qui est capable de ressentir le froid, le chaud, la pression, la tendresse, voilà, etc., etc. Et donc, le D'accord. personnage qui est un robot, elle est très intelligente, elle est très. Enfin bon, je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, donc un roman à découvrir. Et justement, on voit la couverture à l'écran. Est-ce que vous pouvez donc nous en parler? Est-ce que c'est le robot qu'on voit en arrière-plan? Dites-nous en Non, la plus. couverture, c'est. En fait, il y a une correspondance permanente dans ce livre entre les vagues de la Californie,
qui ne meurt jamais, qui se renouvelle sans cesse et qui apporte au fils tout son bonheur, toute son adrénaline, parce que c'est un surfeur. Et puis les vagues de la vie, qui font que il y a des moments de la vie, des passages, qui se succèdent, qui sont agréables, d'autres qui le sont moins, et puis d'autres qui reviennent, et puis ça. Et puis il y a une notion d'immortalité dans les vagues ne meurent jamais, puisque, comme je vous le disais, il y a une invention de rupture dans ce roman qui fait que ben, quand on meurt, on meurt, mais bon, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Donc sur la couverture, vous voyez le fils qui est un surfeur, qui a sa planche à la main, qui regarde une grande ville qui pourrait être New York comme ça, qui est sur le sable, et qui va rentrer dans ce monde-là, qu'il ne veut pas, qu'il ne connaît pas. Et puis, il y a l'ombre de son père au-dessus, cette grande ombre qui est là, et elle est là parce qu'elle est toujours avec lui. Voilà. Bah écoutez, merci pour ces explications. Et effectivement, on la voit à l'écran. Elle est jolie. Les couleurs sont bien choisies. C'est vraiment joli. C'est vous qui l'avez faite ou est-ce que c'est les C'est moi qui ai éditions? donné mon cahier des charges très précis au designer de l'éditeur, et le designer de l'éditeur, avec beaucoup de talent, m'a communiqué cette couverture que j'ai trouvée. Ben, je suis content de voir qu'elle vous plaît, et moi j'ai trouvé aussi très très parlante. Pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité à mettre un surfeur, le jeune garçon avec une planche de surf dessus, parce que je veux pas que c'est pas un roman sur le surf. On parle beaucoup de surf dedans, mais c'est pas un roman sur le surf. Et donc effectivement, dès qu'on a une image avec quelque chose de précis, ça enferme la vision et la perception dans cette image-là. C'est Et pour faire le donc, petit clin d'œil aux mais vagues, peut-être. comment? C'est le petit clin d'œil pour les vagues. Oui, absolument, absolument. Voilà, donc c'est un roman d'amour, un roman sur les relations entre les hommes, les femmes, les amis, les jeunes, les moins jeunes, et dans un contexte technologique qui change la façon de se comporter, mais qui fait quand même la part belle à la chose la plus importante dans l'humanité, qui est l'amour. Bien sûr, c'est important, l'amour avec un grand A. Et justement, que lisez-vous actuellement? Alors, actuellement, je lis ça. Tiens, il est là. Voilà, hop. Voilà, donc Éric Nehoff, Rentrée littéraire de chez Albin Michel. Donc on voit la Exactement, couverture. je lis ça. J'en suis au début. Je suis impatient d'avancer parce que ça se passe dans le monde de l'édition. Et puis, j'ai lu récemment un petit roman que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle L'Élégant, d'un primo-romancier, et je l'ai dévoré. Donc, je lis des romans. J'essaye de lire des livres qui ne sont pas très gros parce que sinon ça me prend trop de temps. Je ne lis pas très vite en fait. Et puis j'ai beaucoup de documentation à lire. Donc je lis ce type de romans, des romans qui traitent aussi de sujets. Ce que j'aime en fait, c'est aborder un sujet important à travers un roman. Voilà. D'accord, effectivement. Et c'est tellement plus important, plus intéressant aussi de lire des choses qui nous intéressent et d'en apprendre davantage. Tu Voilà, vois, comme je le exactement. disais en commentaire tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est tellement, quand on parle de ça fait, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut faire peur, mais en même temps, voilà, ça anime notre quotidien. Et peut-être que justement, en lisant votre roman, vous l'avez dit tout à l'heure, on en apprend plus sur la 5G, sur plein de Ah ben choses. en lisant mon roman, si vous lisez Le Monde de Tim, vous avez une description mais extrêmement précise, très incarnée dans un petit garçon de ce qu'est l'intelligence artificielle plus tard, ou ce qu'elle peut être. Et puis une prospective de l'évolution de la France et surtout de la ville de Marseille en 2047. Et si vous lisez Les vagues ne meurent jamais, vous pourrez voir ce que seront précisément les évolutions d'intelligence artificielle dans les 3-4 ans qui viennent et de la projection holographique avec la 6G. Puisqu'actuellement, on est en train de travailler sur la 6G. Avec la 6G, on pourra projeter un hologramme de celui à qui vous parlez sur le mur, et puis il pourra bouger, etc. Donc c'est ça la projection holographique. Et donc c'est un projet assez intéressant. Et donc j'ai essayé de l'incarner, de montrer comment ça fonctionnait. Voilà. D'accord. Et vu que je vois, vu que vous y connaissez énormément dans ce projet-là, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui ont peur justement de ces nouvelles technologies, que cette peur peut-être que demain l'informatique prenne le dessus et prenne le pouvoir sur l'être humain? Mais je dirais d'abord qu'ils ont raison d'avoir peur, parce que la peur, c'est la meilleure des protections. Et sans peur, on ne met pas en place des garde-fous. Donc, craindre une mauvaise évolution des technologies, c'est la meilleure façon de s'en protéger. Deuxièmement, je dirais qu'on a beaucoup de chance d'être en Europe, parce qu'en Europe, il y a le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser et d'exploiter les données comme on peut le faire en Asie ou aux États-Unis. Et on n'a pas le droit notamment d'utiliser
d'abuser de la technologie la plus dangereuse aujourd'hui qui existe, qui n'est pas l'intelligence artificielle, mais qui est la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance faciale, quand vous vous promenez dans un aéroport, il y a beaucoup d'aéroports dans le monde qui ont des panneaux publicitaires avec reconnaissance faciale, qui détectent qui vous êtes, donc votre catégorie sociale, votre âge, votre origine, votre sexe, et en fonction de ça, il vous envoie une publicité qui correspond à ce que vous êtes. Et puis le suivant, il a une publicité différente, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Ou alors, par exemple, quand vous arrivez à la douane aujourd'hui, il y a des douanes dans le monde dans lesquelles vous ne sortez pas les mains des poches, vous passez avec votre visage et hop. Ou alors dans le métro à Pékin, vous avez des caméras de reconnaissance faciale avec des détecteurs thermiques qui savent qui vous êtes et quelle est votre température. Ou alors il y a des caméras en Chine, il y a 420 millions de caméras en Chine, c'est-à-dire une caméra pour trois Chinois, qui vous suivent du matin au soir et qui vous attribuent des points. Bon, ça, ce sont les abus de la reconnaissance faciale. Nous, en Europe, on est très protégés. Et cette technologie est très différente. Donc la reconnaissance faciale, nous, on l'utilise essentiellement pour déverrouiller notre smartphone et pour payer dessus avec LivePay. Bon, oui. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. On est en train de travailler sur l'identité numérique, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Les autres font beaucoup moins attention aux États-Unis ou en Asie. Bon. Donc nous, on est très protégés. Et puis ensuite, on a raison d'avoir peur, on a raison de résister, on a raison de se poser des questions, parce qu'on va réussir, et moi je suis très confiant en Europe pour ça, on va réussir à l'utiliser à bon escient. En revanche, le fait d'imaginer que l'intelligence artificielle prenne le pas sur l'intelligence humaine, c'est un fantasme, ça n'arrivera jamais. Ça ne peut pas arriver. Ce ne sont pas les mêmes choses. D'accord. Écoutez, bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Voilà, j'espère que les gens garderont la peur, mais en même temps seront quand même rassurés qu'on est quand même assez protégés, comme vous l'avez dit, en Europe. Et justement, où est-ce qu'on peut venir vous rencontrer prochainement? Alors, c'est vrai que vous avez été en dédicace à la librairie du Prado à Marseille, dans le 8e arrondissement. Et on a également pu vous rencontrer au Festival du Livre de notre ami François David au début décembre. Mais là, prochainement, où est-ce qu'on peut venir vous retrouver? Ben, pour l'instant, je n'ai rien de prévu parce que les conférences qui étaient prévues ont été reportées pour cause de Covid. Et oui. Les dédicaces aussi. Donc, je pense que dès qu'on pourra, je reprendrai le rythme des conférences. Il y en a plusieurs qui sont prévues. Et donc, je vous communiquerai tout ça. Vous pourrez le publier si vous voulez. Donc, pour l'instant, je n'ai rien de prévu. Voilà. D'accord. Quand vous dites conférences, ce sont des conférences dans des lycées ou c'est exactement? Alors, j'ai fait beaucoup de conférences pour des ordres professionnels, par exemple les experts comptables, pour lesquels je suis allé parler de souveraineté numérique, je suis allé parler d'intelligence artificielle, pour des professions de ce type-là. Là, j'ai fait récemment une conférence à The Camp, à Aix, en Provence, sur la cybersécurité, donc les dangers de l'intelligence artificielle pour la protection de nos données, par exemple, pour le piratage informatique. J'ai fait des conférences dans des universités, j'ai fait des conférences à l'IAE d'Aix-en-Provence, j'ai fait des conférences à l'université de Clermont-Ferrand, j'ai fait des conférences dans des écoles de commerce, à Kedge, j'ai fait des conférences à la Chambre de commerce, voilà, je fais des conférences dans des lieux divers et variés, sur des sujets précis, mais là, je vous avoue que j'en ai fait beaucoup avant le Covid, là, depuis le Covid, beaucoup ont été reportées, donc c'est des conférences en live, c'est quand même moins... C'est quand même moins bien. Et donc, c'est bien aussi, mais c'est moins bien pour moi parce que je ne peux pas faire des dédicaces après. Et donc, dès qu'on pourra recommencer, je pense que j'en referai. Et ce que je préfère faire, c'est dans les universités, parce que j'aime beaucoup parler aux jeunes pour leur essayer de montrer des voies d'engagement pour eux ou des voies professionnelles à travers ces technologies-là. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que le Covid, justement, puisqu'on parlait du Covid, est-ce que le Covid est un thème qui aurait pu, ou la pandémie aurait pu vous inspirer également? Non, ça ne m'intéresse pas. D'abord, quand j'ai écrit Les vagues ne meurent jamais, il y a d'ailleurs Madame Bachelot, la ministre de l'économie, qui m'a écrit un petit mot en me disant que vous avez un très joli titre, mais ce n'est pas agréable de savoir que Les vagues ne meurent jamais. Donc, elle a fait un parallèle entre mon livre et les vagues du Covid. Bon, c'était amusant, mais elle a beaucoup d'humour et beaucoup de bienveillance, cette dame, donc j'étais ravi qu'elle m'écrive ça. Mais non, ça ne m'inspire pas parce que d'abord, à travers l'histoire, on a des récits extraordinaires, des grandes pandémies, mais des vraies pandémies mortelles, de la peste noire, de la peste espagnole, du choléra, de toutes ces pandémies, de ces virus qui ont tué des dizaines ou des centaines de millions de gens dans le monde. Qui ont été à l'origine de grandes migrations, etc. Donc il y a énormément d'écrits. Et puis,
Le Covid m'inspire pas parce que c'est pas un thème qui est très gai. Voilà. Et puis j'ai pas envie de, il m'intéresse pas. Voilà. Ouais, puis ça a été pris et repris et repris. J'imagine que là, d'ici dans les quelques mois à venir, on va en avoir des romans sur le thème du Covid. Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un virus, c'est un virus. Bon, alors il y a tous les complotistes et ceux qui ont fantasmé en disant qu'il avait été fabriqué exprès que ça. Bon, on peut créer des romans, hein, des romans policiers à travers tout ça, mais sur le Covid, non, c'est plus intéressant de se demander comment la société va se modifier avec ces nouveaux risques-là. Mais non, le Covid m'intéresse pas. Mais il y a beaucoup d'autres thèmes qui m'intéressent, hein, des sujets plus humanitaires, plus globaux, plus universels que ce qui me donne envie d'écrire. D'accord, bah merci beaucoup. On va bientôt atteindre les 3 quarts d'heure de live déjà, donc je remercie toutes les personnes qui sont là et qui posent leurs questions. Alors, quelques autres questions avant de terminer. Où est-ce qu'on peut prendre contact avec vous si on veut vous inviter à faire des conférences, à faire des dédicaces? Comment ça se Ah ben passe? c'est très très simple. Moi, je suis très facilement joignable. J'ai une page Instagram qui s'appelle Pierre Grandufay. J'ai un site LinkedIn qui s'appelle Pierre Grandufay. J'ai une page Facebook qui s'appelle Pierre Grandufay. Donc, vous tapez Pierre Grandufay sur Google, vous choisissez Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter, et puis vous communiquez avec moi et je réponds toujours aux messages que je réponds. Et j'ai eu plusieurs invitations à des conférences là que j'ai acceptées, mais en disant on le fera quand les gens pourront venir, quoi, parce que si c'est pour qu'il y Sûr. ait une personne sur 5 rangées avec un masque, etc., c'est pas grave. Mais j'ai eu des invitations comme ça et j'ai accepté toutes celles qui étaient à destination des jeunes. Voilà. D'accord, super, merci beaucoup en tout cas. Et est-ce que vous avez un site internet également? Un site internet personnel, non, j'ai pas de site internet, j'ai une page Instagram qui est très nourrie, sur laquelle je poste assez souvent. J'ai un site LinkedIn sur lequel je poste, mais souvent des articles que j'écris. Donc j'ai écrit beaucoup sur. J'ai écrit sur l'intelligence artificielle et le Covid, j'ai écrit sur la 5G, j'ai écrit sur la reconnaissance faciale, j'ai écrit sur les dettes du Covid, j'ai écrit sur tout ça, etc. Et puis j'ai une page Facebook. Et là, je suis en train de faire une chaîne YouTube, mais pour l'instant, donc c'est très facile de me joindre. Et puis c'est la magie, et c'est ça qui est extraordinaire avec les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je vous disais, j'ai lu le roman L'Élégant. Après l'avoir lu, j'ai fait un petit mot à son auteur que j'ai trouvé sur Instagram, qui m'a répondu instantanément. Enfin, c'est quand même, ça a un côté quand même extraordinaire. Donc moi, je suis très très facile d'accès. Pierre Grandufay, je réponds. Eh bien, écoutez, ma Pierre, merci à vous en tout cas pour ce live. Hein, je rappelle que vous êtes l'auteur de 2 romans. Le premier, Le Monde de Tim, et le second, Les Vagues ne meurent jamais, chez Christine Bonneton. Donc voilà, donc un roman à retrouver qui mélange autant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, intelligence artificielle et amour. Voilà, on apprend beaucoup de choses dans ce roman. Donc vraiment, merci à vous d'être venu nous le présenter. Je remercie également toutes les personnes qui sont venues poser des questions. Voilà, je vais juste vous laisser le mot de la fin avant de conclure, mais encore une fois, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, c'est très aimable de me recevoir dans ce format-là. Je suis très heureux d'avoir pu parler de mon livre. Je vous invite à le lire et à me faire, enfin, aux personnes qui étaient là ce soir, à le lire et de me faire des commentaires. Voilà, merci 1000 fois, merci à tous mes lecteurs, merci à tous ceux qui s'intéressent à ce travail d'écriture. Merci à vous, Pierre Grandufay. Bah, écoutez, chers amis, c'est avec ces mots-là que nous allons ce soir nous quitter. Encore une fois, merci à vous, Pierre Grandufay. Donc, on rappelle qu'on peut prendre contact avec vous sur Instagram, Facebook, LinkedIn, ou voilà, en Pierre Grandufay, vous l'avez dit vous-même, voilà, même Messenger, hein, vous répondez assez facilement au message. Encore une fois, merci à vous. Toutes nos excuses pour ce petit retard en début de live, c'était technique, mais voilà, on y arrive toujours. Donc, Pierre Grandufay, merci beaucoup. Passez une excellente soirée et chers amis, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau live. Merci à vous, à très bientôt, ciao ciao.